Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça vous plaît? Bien. Vous êtes content? Ah oui. Bonjour, monsieur Julien. Bien dormi? Bien, merci. Avec vous, nous. Oui, voilà. Oui, monsieur Carlin, s'il vous plaît. De la part de qui? Julien Mandat. Oui, j'attends. Allô, Mandat? Ah oui, bonjour. Ah bien? Oui, bon, ça tient toujours? Bien sûr, à midi. Parfait. Dites-moi, j'ai pensé, là, c'est très bien que ça se passe dans vos bureaux, mais bon, une banque, si on avait pu trouver un endroit plus privé, plus discret, vous voyez? Ah ben, disons, chez moi sur mon terrain de golf. Ah! Ah, formidable! Oui, j'osais pas vous le demander. Ah, très très bien, oui, d'accord. Bon, ben, parfait. Bien. Oui. Eh ben, tout à l'heure, merci. Bon, à tout à l'heure. Salut. Salut. T'as passé une bonne nuit? Pas mal. Je te connais meilleure mine, hein? C'est le chauffage. Il y a trop de chauffage ici. Ah. Attendez-moi. C'est le grand jour. Et la petite, là, elle déjeune pas ce matin ou quoi? Qu'est-ce que t'as ce matin? J'ai rien, moi. Qu'est-ce que j'ai, Mathurine? Vous avez les jetons, monsieur Julien. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est le grand jour, pardi. C'est un jour comme les autres, compris? Dis-moi, l'élu, là. Oui? C'est pas la première fois, si? J'étais pas ici. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais. Dis le plus gré. Tu te maries quand? Quand j'aurai trouvé un boulot. Un vrai. Ouais. Ouais, je vois, oui. Mais les pianos, là, c'est pas un boulot, là? Tu peux gagner ta vie avec les pianos, c'est toi qui me l'as dit. Ce serait marrant de voir l'accordeur et sa petite femme en train de réparer les pianos. Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Écoute-moi bien, l'ami. Tu peux sauter cette fille où tu veux, quand tu veux, même ici, ça m'est complètement égal. Et par rue de Varennes. Je te le dirai pas deux fois. D'ailleurs, tu vas me rendre les clés de la rue de Varennes. Et quand tu auras besoin d'y aller pour les pianos, tu me demanderas. Même pas. Dorénavant, j'irai avec toi. C'est bien compris? Il sait tout, tu devrais le savoir quand même. Allô? Allô? Allô, oui. Écoute. Docteur Péan? Oui, lui-même. Oui, bonjour docteur, Mandat, l'appareil. Bonjour Mandat. Comment va ma mère? Oh, comme ci, comme ça. Vous croyez que je peux lui parler? Franchement, c'est pas le moment. Vous savez qu'elle n'a pas le téléphone dans sa chambre, il faut donc la faire descendre au rez-de-chaussée, elle déteste ça. Je préférerais que vous passiez. Ben, aujourd'hui, ça me paraît difficile, mais... Mais dites-moi, c'est pas grave au moins? C'est dommage, parce que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Je sais, j'ai lu les journaux. Vous allez vraiment faire ce film? Ben, il le faut, docteur. En tout cas, si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, tâchez de passer dans les jours qui viennent, il faut que je vous parle. Ok, entendu. Au revoir. Au revoir. Madame, messieurs, nous sommes ici, comme vous le savez, pour signer le protocole concernant la cession des droits de remake des pianos de Berlin. Je vous remercie d'avoir bien voulu vous réunir chez moi et je propose que les documents soient tout de suite mis sur la table. Ils le sont. Le contrat dispose que l'acheteur devra verser une somme de 6 millions de francs,
soit 600 millions de centimes, pour devenir acquéreur. Cette somme sera versée selon des modalités prévues au paragraphe 8 du document que chacun d'entre vous a eu le temps d'étudier. Y a-t-il des objections ? Aucune en ce qui nous concerne. Monsieur Dupuis. Nous ne sommes pas d'accord avec ces protocoles. Enfin, on était pourtant d'accord. Il se trouve que la semaine dernière, Monsieur Mandat s'est déjà porté acquéreur des 30% de la somme que vous mentionnez. Vraiment ? Et dans quelles circonstances, s'il vous plaît ? Monsieur Marchenaz, vous-même et Monsieur Gottlieb, ici présent, souvenez-vous des difficultés que vous avez eues à payer l'équipe technique du film que vous produisez actuellement ? Ceci est sans rapport avec le sujet qui nous occupe. Les 2 millions, c'était vous ? Répondez ! Je pense que Maître Dupuis fait allusion à un mouvement de trésorerie qui effectivement a eu lieu il y a 8 jours. Et sans me le dire. Vous y allez fort, Carlin. Mais il y a sûrement une explication. Bien sûr. Vous avez permis à ce petit monsieur de mélanger ses affaires et les miennes. Avouez qu'il y avait d'autres façons de s'y prendre. Pourquoi choisir celle-là ? Messieurs, il faudra passer par là. Sinon, il n'y a rien de fait. C'est une escroquerie pure et simple. Appelez ça comme vous voudrez. Messieurs, après tout, l'opération n'est pas bête. C'est un grand projet. Et vous voilà tous associés. C'est hors de question. Vendons les droits, point c'est tout. Nous n'avons pas la moindre intention de nous associer à une pareille... Mon petit Mandat, il faut que vous sachiez quelque chose. Il y a 40 ans que je produis des films. Périodiquement, j'ai rencontré des nanars dans votre genre qui se croient tout permis et qui cassent le métier. Jusqu'à présent, je les ai tous renvoyés à leurs chères études. Vous ne ferez pas exception à la règle, compris ? Vous pouvez enlever votre pied, s'il vous plaît. Et puis, je vais vous dire encore autre chose. Si vous voulez m'obliger à produire votre foutu film, il faudra d'abord vous en procurer le négatif. Pas de négatif, pas de film. Compris ? Enlevez votre pied. Et si vous voulez jouer un rôle dans ce film, j'espère que ce n'est pas celui de votre père. Sinon, je vous souhaite bonne chance. C'est sous. Nous ne voulons pas produire le film de Monsieur Mandat. Ah ! Assassin ! Vous êtes un fou ! Un fou ! Vous payez ça ! Oh. Tu as raison, tu es complètement piqué. Oh. Tu te rends compte ? Tu... Va t'excuser. Alors, je crois que je vais casser le pied. Non, la cheville seulement. Ah, bah, les nouvelles vont vite. Oui, surtout celle-là. Ah. T'es content de toi ? Eh ben, fallait pas me parler de mon père. En général, les gens le savent. Tu sais ce qu'il a osé me dire ? Je préfère pas le savoir. Il. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est un vieux con. Il va te faire un procès pour coups et blessures. Mais bah, il me fera un procès. Je vais dire, de toute façon, je déteste de plus en plus les producteurs de cinéma. Fallait y penser plus tôt. Eh, hey, je suis de bonne humeur, hein. Je crois qu'ils vont tout accepter dans 3 jours, tout est signé. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Je m'en fous, mon âme, je m'en fous, j'ai autre chose sur les bras. Sissi n'arrête pas de faire des chèques en bois. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il se calme comme un porc. Je sais plus quoi faire. Hier, il m'a volé de l'argent. Ça devient friand. Qu'a laissé aller en taule, hein ? Jamais. J'irai plutôt à sa place. Et moi ? Regarde, je suis pas en taule, moi, ici ? Mais qu'est-ce que... Mais regarde-moi ça ! Qu'est-ce qu'on fout ici tous les deux, tu veux me le dire ? Et moi, qu'est-ce que je fabrique, là ? Je t'en prie, t'es absurde. Respecte-moi les gens qui travaillent à côté. Ah, ah, est-ce que tu veux être convenable ? Ça prend 8 ans. Et après, c'est pour la vie. Allez, calme-toi. Allez, viens voir. C'est ici, il y a 3 ans, que tu me dis ce que tu sais. Tu regardais les toits, et tu l'as dit. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu t'en souviens pas ? T'as dit, oublions ma mère et ton père et vivons ensemble. Tu l'as dit 2 fois. Mais nous y sommes pas arrivés, n'est-ce pas ?
n'est pas. Pourquoi? C'est toi qui le demande. Tu nous fais vivre au milieu des fantômes. Comment veux-tu y arriver? C'est fini. C'est fini maintenant. Il n'y a plus qu'une seule chose qui m'intéresse. Une seule chose au monde. Quoi? C'est toujours m'épouser. Ça t'amuse de te moquer de moi. Pourquoi tu dis ça? Si tu veux toujours qu'on se marie, demain c'est fait. Parole de menteur. C'est vraiment impossible. T'as dit ça à combien de femmes? Pas beaucoup. Mais aucune ne m'a cru. Et moi, je devrais te croire. Pourquoi t'as plus confiance en moi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Fais-moi plaisir. Mmh. Sors. Mmh. Va te promener une heure ou deux et réfléchis. On en reparlera ce soir, d'accord? Quelque chose pour vous, monsieur Vanda? Oui, oui, non, c'est marrant ce truc-là. Oui. Oui, mais alors avec ça, vous auriez l'air d'un acteur, c'est pas vraiment ce que vous cherchez, j'imagine. Ah, mais je pensais pas pour moi. Ah, pour une dame? Bah oui, ça peut s'appeler comme ça. Oui, mais ça, c'est un 42. Bon, je pense qu'elle peut le faire. Bon, eh bien dans ce cas, la maison sera ravie de vous l'offrir. Ah non, non, surtout pas, madame! Écoutez, je pensais pas du tout à ça, mais peut-être voir autre chose, trouver autre chose. Mais j'ai tout mon temps, monsieur. Ah bah ça, c'est une chance. Alors, Monsieur Manda? Oui? Comment vous appelez? Arlette. Arlette, s'il vous plaît. Non, c'est Arlette comment? Daumier. Arlette Daumier. Arlette Daumier, ça me dit quelque chose, ça, non? Voilà. Bon, voilà, écoutez, monsieur. Ça va devenir délicat. Julien, s'il vous plaît. Voilà, juste un, je reviens, hein. Attendez. Vous êtes gentil. Bon, allez, venez, suivez-moi. Oui. Je reviens, merci. Venez par ici. Ah, merci, vous êtes très aimable. Voilà. Merci. Asseyez-vous. Ah, avouez que... Non. Oh non, moi, j'avoue rien du tout. Vous n'avez que ce que vous méritez. Ah. Vous n'avez rien à boire? Non, parce que j'ai quelque chose à vous demander, mais il faut que je boive un coup d'abord. Bien. Alors, le blouson, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais le saphir que vous portez, là, oui. $140,000. Évidemment. Bon, je disais ça au hasard, je pensais pas que... Mais si, vous pouvez. Il ne me vient ni de ma grand-mère, ni de ma mère. C'est un crétin qui me l'a offert en pensant qu'il pourrait passer une nuit avec moi. Oui, je vois, oui. Et... Non. Non. Vous êtes sûr? Oui. Je peux vous faire un chèque? Bien sûr.
Ah, la Turine. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, vous avez fait fort, monsieur Julien. Elle est superbe. Hein? Voilà, j'ai un petit problème. Je voudrais l'offrir à Caroline, mais j'ai pas d'écran. Je m'occupe de ça. Et peut-être un petit paquet cadeau? Formidable. Vous aurez ça ce soir. Vous savez, chez moi, on dit comme ça que les pieds carrés, ça porte malheur. Mais ça n'est que des histoires de nègres. Pas vrai, monsieur Julien? Il n'est pas là. Pour une fois que je passe, je ne vais pas pouvoir attendre, j'ai pas le temps. Mais je prendrai bien un petit porto, si vous avez. Vous n'avez pas? Si. Ah, bon. Oh. Pourquoi vous riez? C'est inouï ce que vous lui ressemblez. Qui est-ce? Marguerite. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Pas vraiment. Non? Mais c'est dommage. C'est une belle histoire. Enfin, ça dépend des points de vue. Et votre point de vue à vous, c'est quoi? Vous en avez un, non? Ah, ça, j'en ai même plusieurs. Merci. C'est fou ce que vous ressemblez à ce buste. C'est à croire qu'il a été fait d'après vous. Je ne veux pas vous ennuyer. Vous direz à Amanda que je suis venu et que je l'aime bien. Non, partez pas. À quel âge vous avez connu Amanda? Le père ou le fils? Ben moi, je parle de Julien, c'est le seul que je connaisse. Julien? Ben, c'était le fils de son père. Aussi con, aussi têtu, aussi cinglé et aussi génial. Le père, c'était autre chose. Il travaillait dans les moteurs d'avion. Il a tout laissé tomber pour s'occuper d'elle, rien que d'elle. Pendant 10 ans, il a été son secrétaire, son amant, son accompagnateur, et puis enfin, bien sûr, son mari. Et puis, il y a eu la guerre. Bonjour, monsieur Manda. Vous allez attendre quelques instants. Je vais chercher le docteur Pian. Qu'est-ce qui se passe? Il vous expliquera ça. Bonjour. Vous êtes Colette Petit? Oui, monsieur Manda. Vous avez reçu mon mot? Oui, monsieur Manda. Comment va ma mère? Je ne saurais pas vous dire, je ne suis que stagiaire. La seule chose que je sais, c'est qu'on l'a changée de pavillon ce matin. Et pourquoi? Ça alors, je ne saurais pas vous dire. On l'a mise dans une chambre avec oxygène, c'est tout ce que je sais. Salut. Vous allez bien? Oui. Bon, voilà, c'est simple, il y a eu 2 bouffées délirantes avant-hier. Je vous ai dit au téléphone changement d'infirmière, mais ce n'était peut-être pas seulement ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé ses fleurs. Ah. Vous voulez voir? Bah oui. C'est lourd, 12 pivoines. On a dû faire un lavage d'estomac. Avec son ulcère, c'est pas drôle. Et je ne parle pas des épines. Ça a des épines, les pivoines? C'est rare, mais ça peut arriver. Et maintenant? On n'a pas pu éviter qu'elle lise certains journaux. Je peux la voir? Elle est en réanimation. La voir à travers une vitre, oui, si vous voulez. Mais je ne peux pas vous laisser entrer. Qu'est-ce que vous vouliez me dire l'autre jour, là, au téléphone, au sujet de ce projet de film? Oh, rien de plus que ce que vous avez entendu. Vous savez, son énorme perte de mémoire, c'est sa seule chance de survie.
Si vous faites ce film, vous fichez tout par terre. Tôt ou tard, elle le saura, et ce sera de nouveau les crises, comme il y a 6 ans, quand elle s'est rendue compte que vous étiez devenue une star. Vous vous souvenez? Alors, c'est ça que vous voulez. Croyez-moi. Abandonner. Vous, les médecins? Hein, vous, les médecins? Qu'est-ce que vous comprenez à tout ça? Hein? Pas grand-chose, mon vieux. Faudra vous y faire. Ah ouais? Alors quelqu'un mange des fleurs et vous le collez sous une tente à oxygène. C'est tout ce que vous avez trouvé. Où est-ce que vous avez été pêcher ça? Moi, quand j'étais môme, je vous fais des fleurs tous les jours. Je suis toujours là. Ne faites pas ce film, Manda. Si vous tenez à votre mère, ne faites pas ce film. C'est un modeste psychiatre qui vous le dit. Mais c'est vrai que Marguerite est allée jouer devant Hitler? Ou c'est un truc qu'on raconte? C'est tout ce qu'il y a de vrai. Mais vois-tu, si on réfléchit, elle ne pouvait pas faire autrement. Mais c'était pour faire libérer son mari, non? Mais il y avait autre chose. De 42 à 44, elle a donné plus de 100 récitals. Et où allait l'argent? Parce que c'était de l'argent, crois-moi. Eh bien, à des organisations. Des juifs. Qui arrivait d'Europe centrale, qui ne savait pas où coucher, qui n'avait rien à bouffer, un gibier facile pour les Allemands. Eh bien, Marguerite leur a donné tout son fric. Et c'est ça que le film de 53 ne montre pas. Mais pourquoi? Comment ça? C'est le père de Caroline. Tu la connais. Il s'était mis en tête de faire le film. Pardi, il flairait le gros coup. C'est un pauvre mec. Je crois qu'il avait été secrétaire particulier de Marguerite à un moment. Mais pff, aucun scrupule. Le genre de gars qui vendrait sa mère pour un sandwich. Il s'est dit, on va faire simple. On va raconter l'histoire des pianos à Berlin et du mari prisonnier, un point c'est tout. C'est seulement après. Les lettres anonymes, les sauts de peinture. En Pologne, on lui a tiré dessus. Et puis, le public s'est mis à la bouder. Oh, c'était bien orchestré. N'allez pas applaudir une artiste nazie. Et ça marchait. C'est ça qui l'a rendue folle. Folle, au sens propre du mot. Il a fallu l'interner. Et elle y est toujours? Et elle y est toujours. Mais son mari? Je crois qu'il n'a jamais pardonné le concert devant Hitler. Tiens, un petit cadeau pour toi. Henri, arrête. C'est drôle, tu sais. Quand tu y es entré, je t'ai pas reconnu. Pourtant, c'est bien toi, hein. Y a pas de doute. Pardon. T'emportes même la moquette? J'emporte tout, même les clous. Les chiens qui reprendront les lieux n'aura rien. Ça fait combien de temps? Près de 9 ans, le bail, quoi. Je l'ai censé au camion, toi, tu finis ici. Dommage. Dommage. Dis donc, à part ça. Quoi? On devait signer mercredi, c'est retardé, Gottlieb s'est fait prier. Ah bon? Oui, il a mal aux pieds. Et il va vite. Tu l'as obligé à trouver de l'argent, eh bien, il en a déjà trouvé. Alors, le bail ici va être libre? J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. 300 000 par an, ça ne m'intéresse pas. 300 000, tu dis? Au moins, c'est des fous, je t'ai dit.
m'intéresse. Toi? Pourquoi faire? Bah, t'obliger à produire un gros film. Tu plaisantes? Pas du tout. Mais tu sais combien il y a des mètres carrés ici? Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Non, celui-là... Là. Bah, je mettrai du personnel, et puis si Gottlieb a de l'argent, il verra. Ah bon? Mais c'est ton bien, moi ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'ennuies? Non, non, ça va, au contraire. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui. J'ai appelé Clara, lui dire qu'elle et moi, demain, on part pour Rome. Elle m'arrange le plus vite possible un rendez-vous avec Bolzano. Bol quoi? Bolzano. Je sais qui c'est. Toi, tu t'occupes du reste, l'avion, l'hôtel. Je suis toi, Wessler, pour la nuit. Allô, Clara Morante, s'il vous plaît, pour Rocco. Ah, Rocco, patiente. C'est qui Bolzano? C'est le plus grand scénariste italien vivant, du con. J'ai jamais une occasion de me dire, mon pauvre petit, qu'est-ce qui va t'arriver? T'es le fils de deux génies. Il n'y a rien de pire au monde. Ou bien tu seras toi-même un génie, ou bien tu seras un clochard. J'aime bien quand tu me fais remarquer que je radote, parce que ça prouve qu'il y a au moins une certaine continuité. Thank you.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir Marguerite Manda, s'il vous plaît. Madame Marguerite Manda ne reçoit pas de visite. Je sais, mais j'habite chez son fils en ce moment et il est parti en Italie. Et il m'a demandé de venir la voir. On n'entre pas ici aussi facilement, vous savez. On est obligé de vérifier, vous comprenez? Comment vous appelez-vous? Ben, Marie-Lucas, mais normalement c'est Lulu. Allô, Mathurine? Oui. Bonjour, c'est Fernande. Salut. Dis-moi, j'ai ici une Marie-Lucas qui voudrait voir Marguerite. Ah bon? Elle est là? Mm-hmm. Ben, elle dit que c'est Julien qui l'envoie. Oh, ben, tu peux la laisser rentrer. Quoi, tu la connais? Tu parles, c'est Lulu, même qu'elle est avec mon. Ah bon? Ah d'accord. Bon, ben, ok. Tu vas bien, toi? Avec les pêtres dans les. C'est pas vrai. Oui, oui. Bon, ben, écoute, tu me raconteras ça plus tard, hein. Au revoir. Ça va? Colette, accompagne mademoiselle. Aujourd'hui, elle se promène. Elle est dans le parc, à côté du bassin. Qu'est-ce qu'il y a donc de si important à peindre? Vous savez, moi, ça fait 3 mois que j'habite là-bas. Ils n'arrêtent pas de refaire la peinture. Oui, mais alors, ça change de couleur de temps en temps, j'espère. Mais même pas, c'est toujours blanc, gris, noir. Quelle idée! Mais pourquoi il fait ça? Moi, je crois que ça lui donne l'impression de changer d'appartement. Comme ça, il se sent jamais chez lui. C'est exactement comme son père. Figurez-vous qu'à l'époque, nous avions un superbe appartement rue de Varennes. C'est d'ailleurs là que Julien est né. Eh bien, son père avait pris une chambre dans un petit hôtel en face. Et il y passait le plus clair de son temps. Oh, ah bon, moi, je trouve pas ça très gentil. Hein. Oh, vous savez, les hommes. Mais dites-moi, est-ce qu'il est heureux au moins, mon Julien, hein? Vous qu'il connaissez bien. Oh, pour quelqu'un qui a tout, hein, je sais pas. J'ai l'impression qu'il rigole pas tous les jours. Hein. Mais pourquoi? Oh, à mon avis, il a un problème. Une femme? Peut-être. C'est pas vous, j'espère. Moi? Oh, quelle idée. Mais alors quoi? Bah, vous savez, Julien, c'est pas quelqu'un qui fait des confidences. Hein. Oui, comme son père. Des hommes secrets. Comme si la vie n'était pas assez difficile. Mais alors? Vous savez, j'aime pas les hommes qui racontent tout. Je trouve que ça fait toujours faux. Vous êtes juive? Oui. Je m'en doutais. Pourquoi? Par votre mère. Oui, pourquoi? Parce que vous avez un regard que seules les femmes juives peuvent avoir. Comme ils disent, c'est le regard qui devine l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je dis seulement que c'est vrai. Vous savez, il y a longtemps, je me suis beaucoup occupée des Juifs. C'était pendant cette guerre qui n'en finit pas, mais ça, c'est autre chose. Ça m'a valu des ennuis assez graves. J'ai dû abandonner le piano. Quel rapport? Je suis très contente que vous soyez venue. En fait, j'ai l'impression que je vous attendais. Et puis, je sens que vous êtes courageuse. Ça ne court pas les rues. Est-ce que vous reviendrez me voir? Oh, mais bien sûr. À condition que ça vous dérange pas trop. Non, pas du tout, pas du tout. Mais si vous revenez, ne le dites à personne. D'accord? Promis. Parce que si vous revenez, je vous montrerai toutes sortes de choses. Vous savez, ça a l'air d'un endroit banal ici, mais c'est fou ce qu'on découvre en cherchant bien. Tenez, les fleurs, par exemple. Voyez là, là, derrière le petit mur, il y a des pivoines extraordinaires. Rouges, comme du sang. On en mangerait, je vous assure, elles sont tellement appétissantes. Non, mais c'est interdit parce que le règlement est très strict ici. Il est tard. Je vais peut-être vous laisser maintenant. Thank you.
je suis heureux de te voir. Lausanne, où j'ai acheté les droits de remake des pianos de Berlin. Bon, ça veut dire au moins que tu es riche. Non, il est complètement fou. Tiens, t'es gentil, tu m'attends là, je reviens, ok? Alors voilà, je vais te dire une chose. Ce film, je veux que tu l'écrives. Ou je le fais avec toi, ou je le ferai jamais, c'est décidé. Alors ça veut dire que tu ne le feras pas. Non, je pensais pas que tu me dirais oui aujourd'hui. Ni aujourd'hui, ni demain, mon petit Julien. On a travaillé beaucoup de fois ensemble. Ça s'est toujours très bien passé, je ne demande qu'à recommencer, mais... Mais là, tu veux me faire commettre une mauvaise action. Comment ça? Tu vas tuer ta mère, voilà ce que tu vas faire. Et moi, je ne veux pas être là-dedans. Mais enfin, au contraire, mais qu'est-ce que vous avez tous? Vous avez peur de la vérité? Ah, alors, c'est pas moi le premier à te le dire, non? Écoute, je ferai ce film. De toute façon, je le ferai, je sais pas comment. Mais tant que j'aurai la force, tant que j'aurai l'argent, et tant que j'aurai l'âge du rôle. Quel rôle? Enfin, il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Mais non, Julien, allons. Laisse faire ça à d'autres s'ils le veulent, mais pas toi. Non, non, écoute, je comprends très bien le sens de ce que tu veux faire. Mais tu te bats contre les moulins à vent. Ça n'intéresse personne, écoute-moi. Laisse Marguerite en paix. Ne jette pas 20 millions de dollars par la fenêtre et évite de te balancer dans un précipice. Je vais te raconter une chose. Tu sais avec quel argent Léopold de Witt a financé les pianos de Berlin? C'est ta mère qui a trouvé l'argent, mon petit. Il faut bien que tu le saches, quand même. Je crois pas. Non? Tu plaisantes. Ton père, en 1938, avait acheté un Rembrandt. Quand il est mort, ta mère l'a vendu. C'était juste l'époque du film, 1953. Elle en a tiré de quoi financer de Witt avec qui elle couchait. Ça, c'est l'histoire. Et maintenant, toi, tu couches avec la petite de Witt, hein? On n'en sort jamais. Bolzano, ce film, je veux le faire pour Marguerite. Et pour Marguerite seule. Mais je veux le faire avec toi. Non, tout ça, c'est mort. C'est fini. Et puis, je n'ai plus envie de travailler. Écrire, ça m'ennuie. Tu vois ce type-là? C'est un infirmier. Il a dans sa mallette un tensiomètre et un stéthoscope. Chaque 2 heures, on me prend la tension et on m'ausculte. C'est l'unique chose qui m'intéresse. Savoir combien de temps mon cœur va tenir. Le plus longtemps possible, j'espère. Merci, Mandat. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Julien, je vous jure, ce n'est pas moi. Pas moi quoi? J'avais rangé dans mon armoire, sous les draps. Mais quoi, ma curine? La bague. Et alors? Et alors? Bah merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien, en tout cas, je vous jure, c'est pas moi. Moi, je sais que c'est pas vous, ma curine. Et puis arrêtez de pleurer, ça m'agace, hein, ok? Allez.
Hé, hey, t'as pas de peau, toi, hein? Mais tu vas en trouver une autre. Mais évidemment, tiens, voyons, je vais en trouver une autre. Allez, dégage. Allez. Allez, allez. Évidemment, je vais en trouver une autre. Qui est venu là? Mais. Hein? Je suis moi, mais c'est pas moi. Ça, hein? Allez. Oh! Qui? Je sais pas. Rocco, sûrement pas. Lulu, c'est pas le genre, les peintres. Sissi est venu me voir, il y a 2 heures. Voilà. Voilà. Sissi, je croyais d'avoir interdit... Je sais, mais c'est mon frère, figure-toi. Je peux tout de même pas laisser à la porte, hein. Sissi. Oh, oh, charmant garçon. Tu l'avais payé cher. On s'en fout. T'as vu Mathurine? Bon, alors où il est? Je sais pas. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vous donne 54 000 à chacun et la semaine prochaine le sort. On est d'accord comme ça et vous terminez bien dans les délais. D'accord. Allez, okay. Au revoir, monsieur Rocco, à demain. T'as une idée de l'endroit où on peut trouver Sissi à cette heure-ci? 11 heures. Soit chez Émile, soit au bain. Allez, en route. Bon, ben, dès demain matin, vous m'attaquez la corniche, on fait tout le tour du plafond. Et surtout la droite. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Salut. Salut. Léo, vous venez danser? Non. Salut. Salut. Salut, chouchou. Salut. Dis-moi, tu sais où est Sissi? Dans sa place, mon petit. C'est-à-dire? Mon chiot, voyons. Ah, bien sûr, oui, d'accord. Tu sais, tu peux en avoir un peu plus, là. Ok. Monsieur, dégagez. Ça allez va oh, oh. Mais t'es complètement jeté ou allez, quoi? Allez, là. Où est la bague? La bague? Quelle bague? Tu vois ces chiottes, là? Tu les vois? Alors regardez bien parce que t'en sortiras pas libre. Je sais même pas de quoi tu parles. Bon. Allez. Allez. Alors, la bague? Vendue, voilà, je l'ai vendue. T'es content? T'as pas besoin d'offrir des trucs pareils à ma sœur. C'est du lard au cochon. À qui tu l'as vendue? À un ami. Un ami très cher. Combien? 20 000. 20 000. Pauvre con, hein. Qu'est-ce que ça fait du pognon? J'ai acheté un peu de trucs. Fais voir. Regarde bien ce qui va se passer, hein. Regarde bien. Ça va te faire un grand souvenir, tu vas voir. Non, mais t'es fou! Maintenant, écoute-moi bien. T'as 3 jours pour retrouver la bague, tu m'entends? 3 jours! Ok? Écoute. Écoute, je peux te donner autre chose à la place. Quoi? Le négatif des pianos de Berlin. Je sais où il est. Caroline l'a mis dans un coffre. Je connais le code. Je sais où est la clé. Le code, je le connais par cœur. Je peux te le donner. Je peux te le donner tout de suite et l'adresse aussi. Caroline n'en saura rien. Elle ne sait pas que je suis au courant. Tiens. Tu me demandes rien ? Tu l'as trouvé? Tu lui as fait du mal? Ouais. Tu l'as frappé? Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a vendu la bague pour 3 ronds.
finira en tôle, c'est comme si on y était. Il m'a aussi donné le code. Le code? Du coffre. T'as mis les négatifs des pianos. Famille. De le garder. Julien, tu veux toujours m'épouser? Pourquoi tu doutes? Non. C'est plutôt mal barré, hein? C'est ça que tu penses? C'est négatif, j'en ai rien à faire. Moi non plus. Oui, mais moi c'est vrai. Ah, moi je mens. Je sais pas. J'ai l'impression que tu manques de moi. Je crois que je garderai chez moi 2 ans une fille de qui je me moque. J'ai envie d'avoir un enfant. Et je vais faire ça qu'avec toi. C'est plus clair. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Oh, parce qu'il faut toujours tout vous dire. Alors on va vraiment faire tout ça, dis. Si je te le dis. Julien, tout peut être si beau. Hmm? Il y a plus de temps que j'attends ça. Et tu vois, tout arrive. Déjà donné son accord à la production. Bonjour. Je vous rappelle. De la part de qui? Ils sont là, ils n'ont pas beaucoup de temps. Pas une seconde, je les mets où? Je les reçois où? On t'a préparé un bureau. Je les ai cachés là-dedans. C'est du vite fait, hein, mais ne sois pas surpris. Tu m'emportes ça? Tu sais ce que tu vas leur dire? T'inquiète pas. Allez. Si vous voulez bien me suivre. Monsieur Robertson et Monsieur Rabin de l'American Film Company. C'est le mandat. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci, jamais le matin. Alors, Monsieur Mandat. Enfin, je vous vois en chair et en os. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 ans, j'ai souhaité vous rencontrer pour vous tuer? Vous aviez un motif? Le motif s'appelait 400 000 dollars que nous avons perdu en achetant Navet où vous avez le rôle. Comment ça s'appelait? La chaise vide. La chaise vide. Quel titre pour un film. On ne devrait pas en deux types qui a inventé ça, non? Je n'ai même pas réussi à vendre le film ma TWA, et ça, croyez-moi, c'est un record. Vous avez essayé l'armée? Comment, l'armée? Monsieur Mandat te rappelle que l'armée ne paie pas les films. Et en plus, il se moque de moi. Monsieur Mandat, je sens que nous allons avoir un entretien tout à fait intéressant. À toi, Jacques. Nous sortons de chez Monsieur Charles Godley, qui est un vieil ami à moi. Il paraît que vous voulez l'associer à votre projet de remake des pianos de Berlin. Exact. C'est une bonne idée. Mais Gottlieb semble manquer de liquidité cette année. C'est justement pour cela que nous étions chez lui tout à l'heure. Notre compagnie ne demande pas mieux que travailler avec lui. Nous l'avons déjà fait par le passé. Seulement. Seulement? Nous nous demandons si c'est vraiment une bonne idée de refaire les pianos. Vous voyez, il s'agit d'un film tellement célèbre qu'à mon avis, personne ne peut faire mieux. Sur le plan commercial, je veux dire. Le film, vous le savez, s'inspire d'un ensemble de faits réels survenus pendant la guerre. La sensibilité du public a beaucoup évolué depuis 1953. Je pense que maintenant, on peut faire une chose tout à fait différente. Un film tout à fait différent. C'est une pure question de forme. Et aussi de fond, en ce qui vous concerne. Je me suis laissé dire que vous en faites plus ou moins une affaire personnelle. Et ça, mandat, ce n'est pas sain. Surtout du point de vue financier. Écoutez, si j'arrive pas à faire le gros film que j'ai en tête, je monterai une petite opération de 20 à 30 millions de francs. Genre film d'auteur. Après tout, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Avez-vous la propriété du titre?
Ça fait partie des droits de remake. Les avez-vous? Ben, Gottlieb sera bien obligé de me les vendre. Et si tout à coup il n'y était plus obligé? Si ses futurs partenaires se portaient acquéreurs? Vous, par exemple? Je n'ai rien dit. Oh, mais vous y pensez. À mon avis, ce serait une erreur. Le film avec vous seul vaut pas une thune. Ce sera un remake de plus, comme les 12 ou 13 que vous faites à la douzaine. Il est fou. Un flop. Il est fou. Le film doit être un événement. Et pour que ce soit un événement, il faut que je sois là. Il faut l'empêcher de faire ça. Tu vois un moyen? Gottlieb va se coucher. Caroline, tôt ou tard, lui donnera le négatif. C'est pas si sûr. Tu rigoles. Il va l'épouser. Oh non. Oh tiens, Rocco me l'a dit ce matin. Et vous, qu'est-ce que vous ferez là-dedans? À part le producteur, le rôle de votre père, c'est ça? Bon, là, on se calme, Robertson, on n'est pas à Chicago aussi. Savez-vous, Manda, que ma compagnie n'entreprend jamais un remake, quel qu'il soit, sans être propriétaire exclusif non seulement du négatif du film original, mais de toutes les copies existantes. Je dis bien toutes. Avez-vous ces objets? Mais le moment voulu, il n'y aura pas de problème. Eh bien, bonne chance. Au revoir, monsieur Manda. Monsieur. Il y a un dernier détail, si je puis le dire. Manda. Si jamais la compagnie est dans le coup, c'est 50% de la recette brute. N'oubliez pas cela. Pour le monde entier, ça va de soi. Mais 80%, si vous voulez, ça m'importe peu. Ce qui compte, c'est de faire le film. Le reste, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas le fric? Ah, Robertson, votre costume, là, il y a combien de temps que vous l'avez acheté? Quoi? Parce qu'il fait un peu vieux style. Tu ne peux pas traiter comme ça des gens qui pèsent 200 millions de dollars. Tiens ma boule, passe à l'avenir. Hein? J'ai pas vu passer 200 millions de dollars. J'ai vu deux bougeux de New York qui sont venus me faire leur numéro 5. À moi, mandat. Julien, il y a une femme qui t'attend à côté. Qui? Elle vient de la part de Bolzano, elle s'appelle Elena Sampieri. Bolzano, rappelle-toi bien. Bonjour, tu te souviens de moi? Oui, bien sûr, je me souviens de toi. C'était il y a 5-6 ans, tourné à Rome, t'avais écrit 2 scènes pour moi et j'avais refusé de la tourner. Alors t'étais voir Rizzoli, tu as dit que si je tournais pas les scènes, il pourrait toujours courir pour retravailler avec toi. Il m'a forcé à les faire, ça s'oublie pas. Et puis après, je me suis aperçu que j'avais tort. Mais ça, je l'ai su plus tard. Bref, Bolzano m'a demandé de venir te voir comme j'étais à Paris et puis je n'ai rien à refuser à Bolzano, c'est lui qui m'a appris le métier. Comment va-t-il? Mal, mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Rien. Tu peux travailler avec moi si tu veux. Ça lui fera plaisir. Ok. Tu sais de quoi il s'agit? Il m'a tout raconté, tout. Et tu te sens... À la hauteur, j'en sais rien. Pour l'instant, il ne s'agit pas de ça. Si je dois m'attaquer à ces sujets, à ces scripts, il me faut plusieurs choses et vite. Sinon, je ne le fais pas. Ah, ben ça c'est clair au moins. Eh bien, qu'est-ce qu'il te faut? Il me faut une cassette du film de 53. Il me faut les scripts d'origine, il faut que je puisse lire tous les livres et les articles écrits sur le film, il faut que je puisse voir ou rencontrer tous ceux qui ont travaillé à l'opération, ou du moins ceux qui sont encore là. Et enfin, il faut que tu me parles plusieurs jours sans t'arrêter, tu comprends? Ah. Les questions d'argent sont sans importance. Pour l'instant, voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, la brusque progression du sida en Suisse, les conséquences de la chute du gouvernement seigneurial, les nouvelles fluctuations du dollar sur les marchés boursiers, et puis une invitée d'exception, Valentine Valois, qu'il n'est plus besoin de présenter, et qui nous dira tout à l'heure ce qu'elle pense du projet de refaire les célèbres pianos de Berlin, film dont elle fut en son temps, on s'en souvient, l'héroïne. Alors commençons, si vous le voulez bien, par ce qui se passe actuellement en Suisse, et immédiatement avec cette interview. Julien. 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 Hein? Mets les infos sous la une. Hein, pourquoi? Il y a une interview de la mère Valois. Elle est chez PPDA. Oh putain, apporte-moi une bière. Oui. Valois, que pensez-vous de cette idée de refaire une nouvelle version de ce film? Je trouve que c'est une idée absurde. Enfin, on ne refait pas un chef-d'œuvre. C'est du suicide. Jamais ils n'arriveront à réunir une brochette de comédiens comme nous étions à l'époque. Et quand vous dites-il, vous pensez à qui? Aux gens qui envisagent de faire ça. Plus précisément? Mais Julien Manda et ses amis. Julien Manda est une star, on peut quand même supposer qu'il a les moyens de ses ambitions. Oh, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Seulement, à mon avis, c'est assez suicidaire. Puis en plus, c'est une mauvaise action. Mauvaise action? Oui, parce que
Je dis une mauvaise action, parce que sa mère est chez les fous depuis 30 ans et je ne pense pas que ça lui fera du bien. Ne serait-ce que ça. Et puis c'est pas tout, il y a aussi l'aspect politique des choses. En 53, le film a fait un sens, mais aujourd'hui... Valentine Malois, c'est votre vrai nom, vous aimez le souligner. Est-il exact que vous avez aujourd'hui la nationalité allemande? Ah, c'est tout à fait exact. Oui, j'ai acquis la nationalité allemande il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai épousé enfin l'homme avec qui je vivais depuis 1953. 53, c'est-à-dire l'année même où sortaient sur les écrans les fameux pianos de Berlin? Exactement, oui. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré mon mari, qui s'occupait à l'époque de ce qu'on appelait l'inventaire, enfin le recensement des œuvres d'art que les nazis avaient volées ou trafiquées. Enfin, voilà. Comment ça, voilà? Oui, en fait, parce qu'il y avait les fameux pianos. Oh la salope. C'est vrai. Oui. Oh la salope, elle va voir. Mais pourquoi elle dit que c'est du mauvais? Mais je m'en fous de ce qu'elle dit. Je joue. Oh, elle veut le payer, hein, ce coup de PPDA aussi. Vous savez ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Le mandat s'est arrangé pour le récupérer. À sa manière. Enfin, par la suite, je veux dire. Alors? Il me fait peur. Il va faire des conneries. On a l'habitude. Oui, mais là, c'est... Je sais, il a pris la bagnole, a refusé que je le conduise. C'est du jamais vu. Tu me réunis une conférence de presse. D'accord. T'entends toute la presse. D'accord. Et puis sors, t'as rien à foutre aussi quand j'y suis pas. Tu te trompes complètement. C'est une femme charmante. Elle a du mérite, tu sais. C'est Allemand qu'elle a finalement épousé. C'est un bandit, il lui a pris tout son argent. Et il entretient des maîtresses. Si, je le sais. La semaine dernière, je jouais à Londres. Je l'ai vue avec lui. Arrête, maman, arrête. Enfin, ça ne change pas grand-chose qu'il l'ait fait autrefois ou maintenant. Est-ce qu'elle couchait avec Léopold de Witt? Non. Non, ça c'était moi. Oh, après tout, il couchait avec tant de monde. Les dames Pipi, les Stewards, les petites filles de la Légion d'honneur. Il avait peur de mourir, de Witt, tu sais. Elle supporte pas que cette femme se moque de nous. Bon, tu te n'en pour pas grand-chose, mon fils. Enfin, si tu dois la tuer, arrange-toi pour que ça ne se sache pas, parce que ça me glace. La tuer? Bon, je dis ça, mais au fond, personne ne t'y oblige. Oh, une mouette! Je ne savais pas que la mer était si près. Il faudrait que je me renseigne. Je vais faire mon film, maman. Bien sûr. Les hommes passent leur temps à se répéter, c'est une manie. Mais tu dois tenir ça de ton père, on peut pas t'en vouloir. Cette fois, c'est différent. C'est toujours ce qu'on dit quand c'est la même chose. Ah, je te taquine. Fais ton film, mon chéri. Tu as bien raison, si ça doit t'amuser. Mais je le fais pas pour m'amuser. Oui, oui, mais en fait, tu comprends, tu es toujours tellement sérieux. Alors ça donne envie de te taquiner. Regarde, la vie passe plutôt tranquillement, surtout ici. Je ne crois pas que tu te montes la tête pour pas grand-chose. Film dans lequel joue Valentine Valois et qu'on appelle les pianos de Berlin prétend raconter l'histoire de ma mère. Or, à mes yeux, ce film travestit et bafoue sa mémoire. Monsieur Mondin, pardonnez la brutalité de ma question, mais votre mère n'est-elle pas morte? Dieu merci, non, madame, mais il n'est pas nécessaire d'être mort pour avoir une mémoire. Alors voilà pourquoi j'ai décidé de refaire ce film, pour, une fois pour toutes, mettre les pendules à l'heure. Monsieur Mondin, Monsieur Mondin. Madame Valentine Valois a dit chez Patrick Poivre d'Arvor qu'on ne refait pas un chef-d'œuvre. Écoutez, pour moi, la version de 53 est tout ce qu'on voudra, sauf un chef-d'œuvre. Okay? Il ne peut pas y avoir chef-d'œuvre là où la vérité est trahie. Vous en conviendrez? Certainement, mais tout de même, Valentine Valois a obtenu un Oscar à Hollywood pour son interprétation. Ouais, elle a eu aussi les cheveux tondus en 45. Et une croix gammée marquée dans le dos, fer rouge. Je présume qu'elle l'a toujours et que son mari la regarde tous les soirs avec nostalgie. Calme-toi. Bah écoute, oui. Pour parler concrètement, où avez-vous trouvé le financement pour refaire un film pareil? On parle de 15 millions de dollars, c'est énorme.
Ouais, je l'ai trouvé sans problème. À vrai dire, je vais obliger les producteurs des premiers pianos de Berlin à financer la réhabilitation de ma mère. Voilà, bravo. Vous voyez, c'est tout simple. Si vous faites allusion, entre autres, à Léopold de Witt, ça va être difficile. D'autant plus qu'il est de notoriété publique que vous vivez avec sa fille, Caroline. Et alors? Ben, cela prouve que je sais juger les gens sur leurs actes. Voilà, alors j'ai pas par habitude de parler des gens qui ne sont plus de ce monde, mais en ce qui concerne son père, ce collaborateur notoire a trahi ma mère, s'est servi d'elle et l'a calomniée. Voilà, et en plus, il l'a volée pour parvenir à ses fins. Vous avez d'autres questions? Il y en a un qui s'était couché à l'arrière de la voiture. Il croyait que je le verrais pas. Quel con! Caroline! Qu'est-ce que c'est que ça? La première fois que je trouve cette porte fermée à clé. Toi que je sais. Oui. Caroline, qu'est-ce qu'il prend? J'enfonce la porte. Non. Caroline! Salaud. Quoi, qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit salaud. D'abord, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est à moi. Ah bon? Très bien. Bien, allez, viens-moi ça. Ça va pas, non, je t'ai appelé. Qu'est-ce qu'il prend? Je te parle, Caroline. Eh bien, tu vois, je m'en vais. Non, tu t'en vas pas, Caroline. Je t'en prie. Je suis en train de me demander si je vais détruire cette valise ou si je vais filer par la fenêtre. Je peux très bien partir sans valise, tu sais. Mais tu peux aussi me détruire ou me jeter par la fenêtre. D'ailleurs, c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu racontes, là? Je sais pas, peut-être. Mais je t'aime, Caroline. Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Si vraiment tu penses de mon père ce que t'as dit tout à l'heure à la presse, je n'ai aucune raison de rester là. Oh, t'es au courant de ça? Oui. Non, mais dis-moi, pendant que ma mère se décarcassait à sauver un millier de juifs, le tien s'employait ardemment à les enfoncer, hein? Ah, parce que tu roules pour les juifs, maintenant, c'est nouveau. Oh, doucement, Caroline, doucement. De toute façon, tout ce que tu diras servira à rien. Il y a eu vol, spoliation, détournement et diffamation. À moins que tu puisses prouver le contraire. Tu peux prouver le contraire? Je n'ai aucune raison de supporter que tu insultes mon père en public. Toi aussi, tu devras fournir des preuves. Et je te jure que dès demain, tu auras la visite d'un avocat. Ah oui? Oui. Très bien. Tu vas parfait. Touche pas. Allez. Dehors. Arrête. Du balai. Va rejoindre ton admirable frère. Il a une bague pour toi. Et l'amour, on a où est l'amour? Au choc. Au choc. Je devrais peut-être y aller. Surtout pas. Il faut jamais se mêler de leurs histoires. J'ai essayé 2-3 fois. Je suis pas prêt de recommencer. Mais comment est-ce qu'on peut se faire du mal à ce point? Ça me démolit. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi? Un jour, toi aussi. Tu me quitteras. Comme lui. Mais pourquoi tu dis ça? T'es fou? Non, mais je suis pas fou, Lulu. Je le sais. Rocco, je t'en prie. Tu veux nous gâcher la soirée? Si tu me crois capable d'agir comme ça, c'est que t'as rien compris. C'est pas ta faute, Lulu. Mais qu'est-ce que t'as ce soir? Tu me quitteras. Et tu sais pour qui tu me quitteras? Pour lui. Pour lui, évidemment.
Et puis quoi encore? Est-ce que t'as l'esprit mal tourné? Je le sais. C'est comme ça que ça doit finir. Tu le sais même pas. Même lui, il sait pas, mais... Tu verras. J'aime pas du tout ce que tu dis, Rocco, tu me fais peur. Et moi? Tu crois que ça me fait pas peur? L'argent, c'est tout à fait possible. C'est même probable. Mais j'insiste, vous allez quand même au-devant de graves ennuis. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Vous avez promis de tout me dire. Mais je l'ai fait. Si je ne vous dis pas pourquoi, c'est que je ne le sais pas. Ce que je vois, moi, c'est que dans 6 mois, vous sortez de la maison du père et que ça n'est pas bon pour vous. Ce sera le moment de vous tenir à carreau. Ne rien entreprendre. Restez chez vous. Mais je ne peux pas, ce genre de question est incompatible avec ce que j'ai à faire. Il y a un barrage. Qui vient de vous. Dites-moi, si jamais vous produisez ce film, vous le ferez aussi comme acteur? Ben oui, bien sûr. Et quel rôle jouerez-vous? Ben, celui de mon père, évidemment. C'est peut-être par là qu'il faut chercher. Je remarque que vous ne parlez jamais que ça. Même à vos proches. Manda, vous essayez d'éviter quelque chose d'inévitable. Pensez-y. T'es content? T'as encore foutu 100 cercles par la fenêtre. Je t'emmerde. Ce que je fous là, parce que ce film, j'ai vu au moins 3 fois. Moi, je l'ai jamais vu. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Ah ben, t'as pas perdu grand-chose. Didier, tu arrives tout de suite, là? Ah non, je commence une projection des pianos de Berlin. Bon, alors, tu m'appelles dès que tu as fini. Qui t'a foutu sur le coup, là? C'est Clara. Et toi? Moi, c'est une fille, une Italienne. Avec qui j'avais bossé il y a quelques années. Tu sais que tu peux écouter si tu veux, hein. Il y a des micros partout, là. C'est pas vrai. Didier, mets-moi le son de la salle, s'il te plaît. Oui, bien sûr. T'as demandé combien? 30 000 dollars. Mais c'est faux. Fallait demander le double. Ah bon? Mais je pense pas que le fils se fasse, alors. Tu demandes le max. Tu penses que le fils se fera pas, toi? Bah, oui, bien sûr. Je suis une lubie d'acteur. Puis en plus de ça, chez lui, c'est un règlement de compte. Alors ça marche jamais. Non, moi, je suis ici comme ça, en touriste. J'habite à Avignon. On paie le voyage et l'hôtel, alors... Hein. À part ça, t'as des projets? Oui, surtout de la télé, tu sais. Bon. Mais là, t'as raison. Parce que là, c'est l'avenir. Parce que ça tombe. C'est ici... Ça fait longtemps que t'es scénariste? Depuis trop longtemps. Hein. Parce que si tu savais ce qu'on fait avec ce que t'écris, ben, il faudrait mieux se coucher et rester par terre. Non, mais moi, je pense que Vanda, c'est un naïf. Tu vois, une sorte d'innocent. Alors, je me dis qu'on pourra faire ce qu'on veut, quoi. Bon, au début, il va gueuler un peu, mais à la fin, il sera content. Et ce que tu me dis là, ça sent le travail. Il n'est pas question de travailler ici. Il va arriver avec 3 documentalistes et il n'aura plus qu'à enregistrer. Tu sais, à partir d'un certain nombre de millions de dollars, le scénario... Tu coupes. Coupe. Bravo. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais il connaît parfaitement la période 39-45. C'est son dada. C'est son dada. Au bar, je t'attends. Bonjour, monsieur Manda. Ouais, un scotch, chanson. Que tu es, Julien? Le montage. Voilà. Tu le fais d'ici? Est-ce que votre mère est chez vous? Chez moi? Pourquoi chez moi?
Elle a quitté la clinique. Comment ça? Elle s'est tirée, mon vieux. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous avez prévenu les flics? Ah oui, bien entendu. Et alors? Et alors, rien. Oh non. Oh, pas ça, pas ça. Non. Il va craquer. Il va craquer. Oui. Oui. C'est pour vous. Oui, Germain. Inspecteur Germain, j'écoute. Ah, je sais pas. Une seconde. Une seconde, ne coupez pas. Monsieur Mandard, on me demande si votre mère a des dents en or. Des dents en or. Apparemment pas. Mais pourquoi? Ah, d'accord. Merde. Tu bouges pas, hein? Non, non, je bouge pas. À tout à l'heure. Ma mère a toutes ses dents, monsieur. Si vous pouviez retrouver ce qu'il y a autour des dents, ça m'arrangerait bien. Mais je comprends. Mais c'est l'affaire d'une heure ou deux. Nous avons l'habitude, monsieur. Calmez-vous. Un calmant. Où est Lulu? Chez sa mère. Tu veux que je l'appelle? Tu crois qu'ils vont y arriver, les flics, là? Écoute, ils vont pas la trouver sous le lit. Laisse-les bosser. Ah non, moi, je peux pas. Moi, je peux dire, je peux pas. Où tu vas? Ici. Tu veux que je vienne? Je vais faire un tour de moi avec la voiture. Hey, pas de conneries, hein?